Des super-pouvoirs et de l'action, quand on parle de super-héros, la mode est probablement le dernier mot qui vous vient à l'esprit. Mais ça, c'était avant Black Panther. Le film a explosé les box-office, mais saviez-vous qu'il a aussi marqué le monde de la mode? Et ça, grâce à une femme, Ruth E. Grant. Culturellement, cela a permis de lier les Africains-Américains et les Africains, mais cela a aussi permis de lier leur culture. Ainsi, on se dit « Oh, wow, je suis fier de porter ça ». J'en connais la signification, le sens, et cela permet aussi aux autres de comprendre le contexte, et c'est important. Jamais la mode africaine n'a été autant célébrée. La fièvre Wakanda a frappé les cinéphiles du monde entier. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont partagé des photos de leur tenue inspirée du film Black Panther. En utilisant des hashtags comme Wakanda Forever, Wakanda Came to Slay, Black Panther Solid. Cette folie pour les super-héros a aussi secoué l'industrie de la mode africaine. Loin de Hollywood, à plusieurs kilomètres de là, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on a aussi ressenti la vague Black Panther. Nous voici dans les locaux de Africrea. La plateforme d'e-commerce vend des créations d'inspiration africaine. Après la sortie du film Black Panther, l'entreprise a connu un boom de ses ventes. Effectivement, Black Panther a influencé les ventes, surtout qu'il est sorti au mois de février, donc en même temps que le Black History Month. Donc je pense que le choix de la date était très symbolique. Donc il y a eu évidemment une augmentation des ventes, surtout aux États-Unis, à peu près 30% de ventes en plus. Il faut donner de plus en plus de raisons et d'occasions aux gens de se rendre compte que la mode africaine, c'est une mode comme une autre. Plus on aura d'occasions de voir de la mode africaine sous toutes ses formes, portées par tout le monde, plus sera naturel pour les gens d'en acheter et derrière, plus les acteurs auront de facilité à vendre. Mais de super-héros dotés de super-pouvoirs et de superbes tenues peuvent-ils à eux seuls sauver le monde de la mode? Eh bien, selon la Banque africaine de développement, le secteur de l'habillement et du textile en Afrique subsaharienne est évalué à 31 milliards de dollars. C'est peu comparé aux géants français, avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 150 milliards en 2017. Il semble que dans la guerre de la mode, l'Afrique est l'outsider. Mais l'avenir n'est pas aussi sombre qu'il y paraît. La société de conseil McKinsey prévoit même une éclaircie dans le monde de la mode en Afrique grâce à des investissements dans le secteur manufacturier et, comme dans le royaume de Wakanda, grâce à la technologie. Et c'est exactement la voie choisie par Christelle, l'une des deux sœurs derrière la marque Grassfields. Le marketing au début, puisque j'avais juste 50 livres, c'était Facebook. Et en ce temps-là, Facebook ne faisait pas encore des restrictions. Bon, dès qu'on postait, beaucoup de gens envoyaient. Et c'est là où nous avons pris nos premiers clients. On n'avait pas eu besoin de payer qui que ce soit. Ils voyaient juste nos posts Facebook et ils venaient commander. Bon, sans les réseaux sociaux, je serais toujours au Cameroun aujourd'hui, ça c'est sûr. Je n'aurais même pas eu le courage de penser que je peux commencer grâce à lui. Parce que ce sont les réseaux sociaux qui m'ont permis de faire ça. L'Internet, en fait, le fait que j'avais... Je pouvais m'asseoir au Cameroun, mettre mes créations et qu'ils puissent être vendus et promouvoir ça avec des filles que je pouvais facilement avoir accès. La fièvre pour le royaume de Wakanda est peut-être retombée, mais une chose est sûre, ce regain d'attention pour la mode africaine, lui, continue de briller.